Another blessed week for Christians of the three mother churches in the Creative Word Ministry. On Wednesday, the prophet of the age in the sermon Broken Systems described the terrible situation where people prefer to hew out systems in which are found all sorts of dirt to drink from, leaving the artesian real God who is a fountain of living water. This call to repentance touched the brethren who returned to Christ with all their hearts. On Friday, we had a wonderful night prayer. Between prayers of intercession and testimonies, sleep and distraction was kept far away from the congregation as they dined at the Lord's table. Despite the rainy weather in Douala on Sunday, the brethren came out in their numbers to honor their rendezvous with God. The man of the day, Apostle Lambert Robinson, in the continuation of his last sermon at Love Divine Sanctuary, preached on the theme Heavenly Places, drawing his inspiration from Ephesians 2 verse 4 to 6. Heavenly places, he said, is the position of the believer in Christ. In other words, it is your ministry in Christ. Positioning, he went on to say, goes with loyalty and fidelity. He emphasized on the fact that God does not call anyone for nothing. Each person has a mission, and at the end of his or her life, will be asked to give an account of the mission God confided to him. He concluded by blessing the audience, both visible and invisible, with the necessary means to accomplish their missions. It was with hearts full of joy that the brethren returned home, ready to affront the new week after being spiritually refueled. Noël Ando for Creative Word. It is with punctuality and respect that the Christians of Love Divine Sanctuary Douala, Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé and Shalom Tabernacle Idéa, insert again to their appointment with the Lord this last Sunday evening at 5:30 p.m. As usual, the upcoming 30 minutes were filled up with praises. It is with the song, When You Look, of Lifoko Dussiel that Parthen Gimhe mounted the pulpit of Love Divine Sanctuary. He read in 1 Samuel 19:20 with environmental anointing as title, Where You Live, Those Surrounding You, and Your Main Topics of Discussions are the three essential things that influence your life and spirit. Furthermore, those of Yahshua HaMashiach were fed with the main idea, The Lord is my shepherd, drawn in Psalms 23 by Brother Nzoku Jean. God loves unity and especially the one of the heart. And David Likon continued to lay emphasis on divine healing in Shalom Tabernacle. Reading in Isaiah 53 from 1 to 5, he encouraged the people to persevere in prayers and to have faith in divine healing. To sum up, the three services were crowned up by unusual prayer lines. Les citernes crevassées du 26 juillet 64. Voilà le grand titre qui ouvre le bal spirituel cette semaine au prédicateur, le prophète William Marion Branham. Beaucoup de choses ont été dites ici parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'une citerne? Paragraphe 35 à 39. Le Saint-Esprit compare les dénominations aux citernes crevassées. Paragraphe 40 à 41, 58 à 59. Le Saint-Esprit compare également la parole de Dieu à une source d'eau vive intarissable. Paragraphe 63 à 64, 74 à 75. Juste après ceci, le bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson, va prendre la relève avec son message « Reconnaître votre position ». Texte lu, Jérémie chapitre 2, versets 12 à 13. Un message qui sera prêché depuis le Love Divine Sanctuary. Le Shalom Tabernacle, le Yahshua HaMashiach Tabernacle vont rester connectés pour recevoir leur portion de bénédiction. Le Saint-Esprit ici disait-il encore par son nom. La position en Christ s'étape pas de contribution pour la vie.
l'avancement du royaume des cieux. C'est ce que Dieu t'a confié comme responsabilité et il te demandera des comptes là-dessus. Pour chuter et terminer cette semaine pleine de bénédictions, il a également ajouté. Connaître sa position, c'est agir conséquemment par rapport à cela. La guérison divine est un appât, dit le prophète Branham. Toutefois, pour dimanche soir dernier, il était question de l'onction environnementale, de créer son atmosphère, de créer son environnement. Et c'est de là que part la véritable délivrance. Quand je peux choisir le type de pensée que je veux avoir, le type de causerie qu'on tient lorsqu'on entre chez moi, le genre de personne avec qui je marche, etc., alors ma guérison ou ma délivrance pourra s'opérer d'elle-même. C'est la tâche ardue à laquelle s'est mise le prédicateur du soir, le frère parfait Ngimhe Ngimhe, qui n'a cessé de toucher les points les plus sensibles du quotidien des chrétiens. Le Saint-Esprit a encore secoué son vase pour la bénédiction du peuple visible comme invisible. Des puissantes déclarations ponctuées par de véritables et vibrants « Amen », il aurait simplement suffi d'être véritablement connecté dans l'esprit pour recevoir la solution à son problème, la réponse à ses questions. À ceux qui se relâchent, c'est le moment ou jamais, il faut rester fidèle et discipliné, rester dans les rangs. À ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, l'occasion vous est donnée de créer votre environnement, en changeant de rythme de vie et en donnant votre cœur à Jésus-Christ sans réserve. Une seule période, dimanche soir, une seule adresse, Love Divine Sanctuary, pour ceux qui sont à Douala, et Tougébé après le général pour ceux qui sont du côté de Yaoundé, Yahshua Tabernacle, Shalom Tabernacle pour les populations du côté de Déa, une seule heure, 17h30, un seul lien qui vous sera communiqué juste avant le début du culte. Restez bénis et que le Seigneur vous comble de ses nombreuses grâces. En prêchant. Un grand bravo pour nos amis. Oh, les bons vieux temps. Quand nous étions à l'école du dimanche, où tout le monde discutait la parole pour répondre aux questions. Voilà ce qui occupait les enfants de l'école du dimanche du Yahshua Hamashia Tabernacle, qui attendait impatiemment dimanche 18 septembre 2022, le jour de la rentrée scolaire. Le jour J enfin arrivé, les enfants étaient excités à l'idée de revoir leurs maîtresses et camarades. Dans la salle, on pouvait apercevoir les parents qui ont accompagné leurs enfants. Cette rentrée débuta par un mot de salutation des moniteurs. La leçon du jour fut dispensée par la sœur Yvette Assaut sur le thème « Le respect ». Elle lut dans psaume 105, verset 15. À retenir. Respecter quelqu'un, c'est lui donner la considération. Dieu mérite le respect et l'exige aussi envers ses serviteurs. Je respecte Dieu à travers mes enseignants, mes parents et les serviteurs de Dieu. Celui qui n'est pas respectueux passera par le jugement. Les enfants, heureux de connaître plus sur la volonté de Dieu à leur égard, se mettront à l'œuvre pour faire asseoir cette leçon dans leur cœur. Éducation de base et enseignement secondaire, rentrée effective de l'année scolaire 2022-2023. Les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école sur l'ensemble des 10 régions du pays le 5 septembre 2022. Les adeptes de Charlemagne remplissent fidèlement leur devoir dans la joie pour une réussite parfaite. De quoi se passe bien, de où on commence dans un homme, tout se déroule bien au lycée de Manjo. Nous avons bien passé les vacances et la rentrée a déjà commencé. Nous sommes fiers de retourner à l'école et nous avons déjà bien commencé les cours. Les enseignants, quant à eux, ne sont pas en reste. Ils mettent toute leur énergie pour une meilleure éducation de la jeunesse camerounaise. Computers of today and those of yesterday, right? So we just saw the history of computers, trying to compare the computers of yesterday and those of today. So you bring out three different systems.
Les effectifs augmentent de jour en jour dans les établissements. Pour l'entrée scolaire, à l'école publique groupe 1 à Demanjo, a démarré dans de bonnes conditions, n'avons pas eu d'incident majeur jusqu'au bout. Les effectifs sont croissants de jour en jour. Où on démarrait effectivement dans les salles de classe. Le personnel enseignant a répondu présent. Que cette année scolaire 2022-2023 soit une année de réussite sur tout le territoire camerounais. Après une longue période de repos et certainement remplie de cadeaux et de bénédictions, le dimanche 18 septembre, jour de paix, les jeunes brebis du Shalom Tabernacle et Déa ont encore répondu présentes. Chaleureusement bien accueillis avec cantique et vertu par le frère Gabriel Mumbé, ceux-ci se sentent bien ouverts par une prière. Encadrés sous le thème « Les semences », il était question pour ces jeunes de connaître de quelles semences sont-ils, celles d'Abraham ou celles de l'homme du mal. Après éclairage du sujet apporté par le frère Gabriel, qui leur demandait d'être un vase agréable à Dieu afin qu'ils soient privilégiés, suivaient un moment d'adoration. Suite à cela, alors, la sœur Naomi chutait par un mot de prière. C'était le frère Dylan pour PCI. Au moment où on attend que les universités camerounaises soient des sources d'innovation et des pôles de développement durable, on observe que ces dernières fonctionnent plutôt dans la perspective de promouvoir l'idéologie occidentale. Constat fait par le docteur Lingok Emmanuel lors de son intervention à Maputo, au Mozambique. Pour joindre l'utile à l'agréable, le frère Lingok Emmanuel, par ailleurs évangéliste, en plus de son savoir-faire, a présenté le message du temps de la fin aux autres personnes. L'évangéliste, quoique venu à ce rendez-vous du donner du recevoir, n'a pas oublié l'essentiel, à savoir garder la chose principale en tout lieu. La fièvre jaune, maladie virale transmise par un moustique et est capable de donner des épidémies meurtrières. La prévention de ces épidémies est assurée par la vaccination systématique des populations vivant en zone endémique. Tout relâchement de ces vaccinations peut être cause d'un retour des épidémies. Parlant d'épidémiologie, le virus responsable est le virus dit amaryl, le réservoir du virus est constitué par les singes qui vivent dans les forêts tropicales d'Afrique et d'Amérique et par les moustiques qui assurent la transmission du virus de singe à singe, de singe à homme ou d'homme à homme. Le règlement sanitaire international prévoit que tous les cas de fièvre jaune humaine ou tout isolement du virus amaryl doit faire l'objet d'une déclaration à l'Organisation mondiale de la santé qui diffusera l'information. Parlant de clinique, la forme clinique typique est une hépatonéphrite à taux de létalité. L'incubation est de 3 à 4 jours. Nous avons aussi la phase préhystérique et la phase hystérique. Il existe des formes atténuées de la maladie. Parlant de diagnostic, à milieu tropical, le diagnostic de la fièvre jaune est un diagnostic d'urgence et à cause du danger de l'épidémie. Aussi, les anticorps spécifiques du type précoce IgM peuvent être recherchés chez les malades au début de la maladie. Parlant de traitement, nous avons le traitement symptomatique car aucun traitement spécifique n'est possible. Parlant de prévention, devant les cas suspects survenant en milieu tropical, nous devons isoler le malade de son moustique et signaler le cas aux autorités sanitaires. Parlant de prévention à long terme, nous devons faire une vaccination des sujets vivant en zone endémique. Aussi, une vaccination des touristes obligatoire ou conseillée pour tous les voyages en séjour dans les zones endémiques. Cette vaccination ne peut être réalisée que dans les centres réhabilités par l'OMS. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. C'est un grand évangéliste, mais aussi un grand docteur. Je ne vais pas vous garder pendant longtemps en haleine. Aujourd'hui, notre invité n'est nul autre que le révérend docteur Emmanuel Lingok. Shalom, frère. Shalom. Et bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. L'équipe de Parole Créatrice Info Télévision vous souhaite la bienvenue. Très bien. Vous avez récemment effectué un voyage du côté de la Mozambique. Pouvez-vous nous donner en quelques minutes plus ample de détails, s'il vous plaît? Bien, avant de me prononcer ou avant de m'y prononcer, je voudrais tout d'abord te dire un grand merci, une gratitude à notre pasteur, Papa Samuel, grâce à qui j'ai pu obtenir ce voyage parce que j'avais été sélectionné depuis la RFA Allemagne pour aller faire cette activité en Afrique australe. Mais à un moment donné, il y avait le combat au niveau, je le sais où, au point que pendant que les choses voulaient tanguer d'une autre manière, je suis allé voir le pasteur à Douala et il a prié pour moi un dimanche. Le lundi, on m'a envoyé le billet d'avion depuis l'Allemagne. Donc je voudrais vraiment dire merci aussi au pasteur grâce à qui vraiment j'ai réussi à cette mission. Maintenant, le voyage pour sur le Mozambique, c'est une activité académique ou une mission académique que j'ai pu faire. Disons, les intellectuels du monde entier se sont retrouvés en Afrique australe pour essayer de statuer sur la faiblesse des savoirs endogènes en Afrique. Oui. Parce qu'on se rend compte que les universités africaines produisent des diplômés, mais les diplômes qui sont construits ne participent pas ou ne contribuent pas à la transformation des sociétés africaines. Étant donné que les universités sont censées être des laboratoires qui créent ou qui moulent le savoir, le savoir qui sort de là doit contribuer à changer le monde, à changer l'Afrique. On se rend compte que ces universités, plutôt, ils créent, ils produisent des chercheurs qui vont étudier Molière, Platon, les choses qui... j'appelle ça des savoirs abstraits, c'est-à-dire des savoirs qui n'ont aucune connexion avec nos réalités locales. D'accord. Donc ça veut dire que ces failles, le but de votre rencontre en fait était de parler de ces jeunes diplômés qui après leurs études universitaires n'ont pas plus de possibilités, c'est ça? Oui, en fait, d'une part, mais d'une autre façon, d'une autre part, il était question de voir comment reformuler les curricula de formation afin que les universités commencent à produire des savoirs qui puissent répondre aux réalités locales. Oui. Et redonner vie à ces curricula de formation, ça passe par quoi? Oui, ça passe par par une orientation nouvelle qu'on doit donner aux enseignements qu'on fait ou bien qu'on pratique dans nos universités. Et on se sert à rendre compte que partout, c'est les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes difficultés, que ce soit au Kenya, que ce soit au Botswana, que ce soit au Ghana, que ce soit au Nigeria. Parce que tous les chercheurs qui ont exposé dans ce sens, que ce soit qu'ils sont venus de la Suisse, de l'Afrique du Sud, ils ont décrié ces mêmes problèmes qui se font, en fait, qui se font dans leur... bien qu'on décèle ou qu'on identifie dans leur université, quoi. Ne pourrions-nous pas citer ici que le manque de en fait, cette défaillance au niveau scolaire vient du manque de motivation des élèves proprement dit, des universitaires, en fait, des étudiants? En fait, comment on doit changer le système. On doit changer le système, on doit amener le système à s'arrimer aux besoins de chaque communauté. Oui. Quand on formait quelqu'un, un master, un docteur sur Platon,
ce plateau. Qu'est-ce que ça peut être, en quoi ça peut aider la société, le local. Donc, il est donc question ici qu'on puisse réorienter l'enseignement. Et là, bref, il faut endogéniser l'enseignement ici pour qu'il soit pratique. Donc, quand l'étudiant, quand un chercheur finit en fac, qu'il soit capable d'apporter une contribution pour changer ou transformer son propre milieu. Donc, s'il fallait retenir quelque chose de ce que vous avez dit, les solutions prises lors de votre rencontre au Mozambique étaient en quelque sorte d'endogéniser l'éducation, c'est tout ça? Tout à fait. Et quoi d'autre? Rendre, donc prioriser les... Non, bref, culturaliser les savoirs, c'est-à-dire, comme on dit, amener les savoirs proches des problèmes, proches des problèmes sociaux que nous rencontrons dans nos sociétés. D'accord. Vous êtes support créatrice Info Télévision et vous regardez l'invité du journal. Alors, docteur Emmanuel, vous n'êtes pas seulement un docteur, comme nous l'avons dit au départ, vous êtes également un évangéliste. Et on dit bien évangéliste un jour, évangéliste toujours et évangéliste en tout lieu, n'est-ce pas? Très bien. De ce côté, au Mozambique, là, avez-vous essayé de lancer quelques pics en ce qui concerne l'évangile? Oui, Dieu m'a fait grâce. Après les trois, après avoir travaillé, ou en fait, après avoir exécuté notre mission dans les trois universités, j'ai consacré la dernière journée à l'évangélisation. J'ai réussi à être reçu par le recteur, bon, à qui j'ai donné les tracts. J'ai partagé les tracts dans le campus. Mais je me suis rendu compte que c'est le même problème en Afrique, partout, au Cameroun, que ce soit là-bas. Bref, les filles, ça s'habillent mal. Tout était presque en pantalon. Sur 10 filles, 9 étaient en pantalon. Une seule était en jupe ou bien en robe. Mais les autres, c'est une façon de le voir ou de découvrir ici que leur Dieu n'est pas, en fait, que Dieu n'est pas, n'est pas dans leur agenda, quelque sorte. Donc, je les ai approchés, je leur ai dit que les amis, même comme vous cherchez le savoir, vous cherchez les diplômes, cherchez tout d'abord, pensez à votre créateur sans qui vous n'êtes rien. Et curieusement, c'est un peu difficile parce que la langue principale parlée là-bas, c'est le portugais. Hein? Oui. Oui, c'est le portugais. L'anglais vient, l'anglais est leur seconde langue. Donc, il fallait se battre à évangéliser en anglais. Mm-hmm. Et Dieu m'a fait grâce parce que je m'en suis en sorti quand même. Donc, j'ai semé la graine, distribué les tracts, distribué partout où j'ai surtout là-bas, j'ai semé la graine en laissant les traités et les tracts partout, sachant que Dieu lui-même allait prendre soin du reste. D'accord. Ça vous arrive souvent certainement de vous retrouver avec des amis, des collègues, des docteurs comme vous. Et quand vous leur parlez de l'Évangile, comment est-ce qu'ils vous regardent? Comment est-ce qu'ils prennent la chose? Oui, il y en a qui pensent que quand on est docteur, quand on est agrégé, quand on est maître de conférence, on n'a plus besoin de Dieu. Mais je le dis ici avec regret, nous sommes dans un forum, dans une plateforme des docteurs. On a perdu une collègue comme ça l'autre jour qui était assistante à l'université de Douala. Elle est décédée et à la suite de son décès, quand on l'avait annoncé dans le forum, je leur disais que les amis, je vous ai toujours dit que le doctorat n'annule pas Dieu. La licence, le master ou l'agrégation n'annule pas Dieu. Cherchez à donner vos vies au Seigneur, à être en paix avec lui. Parce que sans lui, vous irez dans la tombe avec vos doctorats. Et puis, ils m'ont menacé, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas créé ce forum pour qu'on évangélise. Mais ils ont créé ce forum, comme ils l'ont dit, pour la science,
pour la science. Et puis on me menaçait que si je continue, vont m'exclure de ce qu'on. Mais je continue quand même à leur envoyer ou bien à leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire selon les attentes du Seigneur. Donc même étant docteur, je considère que être docteur c'est bien, mais être docteur sans Jésus est zéro. Bien évidemment qu'avec la grâce de Dieu, nous pourrons jamais vous extirper de ces groupes-là. Oui. Puisque l'onction qui m'accompagne s'impose à eux et les amène à rester tranquille, malgré les menaces. Bien sûr que le Seigneur va pouvoir qu'un jour la cible principale soit touchée. Parce que ce qui est sur vous le fait, Dieu sait pourquoi. Et sûrement, il a quelqu'un à recevoir là-dedans. Effectivement. D'accord. Vous avez certain emploi de temps chargé. Et comment est-ce que vous parvenez à gérer les séances d'évangélisation les week-ends à Yaoundé? Bon, le pasteur nous avait appris que nul n'est indispensable. Oui. Ce qui veut dire qu'on a décentralisé les choses. Ça veut dire que je sois là ou pas, si l'évangélisation avance. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que c'est moi qui les ai formés. Mais nos frères qui sont là, qui ont été formés par le Seigneur lui-même, ils ont cette responsabilité de sortir chaque jour pour aller chercher les âmes. Et ça fait que le travail avance, que je sois là ou pas. Et les âmes sont prêchées et elles sont gagnées pour Christ. C'est un peu cela. D'accord. Bien évidemment, nous sommes parvenus au thème de cette émission. Vous avez un mot à l'encontre de toute l'équipe de Parole Créatrice? Tout ce que je peux dire, c'est d'encourager Parole Créatrice pour les merveilles qu'elle fait chaque jour. Mais pour clôturer, juste pour dire que au Mozambique, nous avons découvert que, ou démontré que les universités africaines produisent les diplômés qui ne sont pas utiles. Parce que les savoirs acquis là-bas ne cadrent pas avec leur réalité locale. Et la même chose aussi, si je fais une juste position, l'Église produit beaucoup de chrétiens, mais peu ont déjà eu un contact direct, un face-à-face, une rencontre personnelle directe avec le Seigneur. Et là, ça fait que bien que l'Église soit pleine, tant que Christ n'est pas, tant qu'ils n'ont pas encore fait une osmose avec le Seigneur, comment ça ne vaut pas la peine. Nous sommes parvenus au thème de cette édition et nous vous remercions d'avoir accordé votre temps pour cette interview. Et c'était moi, Laetitia Mbogo, pour l'invité du journal.